Merci Élise, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter un focus sur la disponibilité des immunoglobulines en France en 2018. Juste une diaporama, une dia sur mes liens d'intérêt. Cette première diapo reprend l'historique, à savoir en 1995, quand nos PUI ont repris la dispensation et l'approvisionnement des médicaments dérivés du sang, nous avons pu démarrer avec 4 immunoglobulines IV qui étaient sous ATU ou sous AMM. Aujourd'hui, parmi ces 4, il n'en reste plus que 2. Et puis, tout au long de ces 20 et quelques années, on a vu apparaître 2 nouvelles molécules en forme IV. L'année 2005 est une année charnière, puisque c'est là où on a eu la mise à disposition des immunoglobulines sous forme sous-cutanée, avec 3 nouvelles immunoglobulines, et qui ont changé un peu la vie du patient, puisque ça a permis le développement de l'ambulatoire. La dernière année charnière dans l'histoire des immunoglobulines est en 2015, où on voit apparaître la nouvelle sous-cutanée avec la hyaluronidase, qui permet également l'ambulatoire, mais avec un changement de rythme d'administration par rapport aux autres immunosous-cutanés. Aujourd'hui, en France, on a sept spécialités d'immuno-IV disponibles, et puis 3 sous-cutanées, dont une avec une administration particulière. Dans les IG polyvalentes IV, dans les présentations galéniques, historiquement, nous avions 2 formes de poudre à reconstituer qui restent toujours sous cette forme-là historique, avec les difficultés pour la reconstituer pour les infirmières. Et puis, les nouvelles formes, bien sûr, sont des formes prêtes à l'emploi. L'évolution s'est traduite aussi par une augmentation des concentrations disponibles. Au départ, nous n'avions que la concentration à 5%, 50 mg par ml. Les fournisseurs ont développé la concentration à 10 mg par ml, ce qui permet d'apporter des plus grosses doses, et notamment dans les traitements immunomodulateurs, ça a été une avancée. Il faut bien avoir en tête que plusieurs spécialités, notamment flébogamadif et octagam, portent le même nom, mais on a 2 concentrations différentes, donc attention lorsque vous remplacez l'une par l'autre à bien informer aussi bien les patients et les infirmières sur ces concentrations différentes. Et puis on a des volumes disponibles qui ont de plus en plus élargi leur gamme. Une diapo sur la répartition des sous-classes en IgG. Puisque en tant que pharmacien, on peut avoir parfois les médecins qui nous posent la question pour un patient particulier sur une sous-classe qui serait déficitaire chez un patient, elles ne sont pas toutes égales. Donc dans le choix des immunoglobulines, il faut avoir bien ça en tête. L'évolution des IG polyvalentes s'est aussi traduite par une modification des débits. Vous savez qu'on commence toujours par le débit les plus bas. Donc, selon la spécialité et là encore, selon la concentration de la spécialité, on ne démarrera jamais en millilitres kilo-heure par le même débit. Donc, à bien informer les infirmières. Et puis, palier progressif toutes les 30 minutes, tout en regardant la tolérance du patient et ne pas dépasser le débit maximal. On voit sur la dia que selon les spécialités, le débit maximal peut aller de 4 ml par kilo par heure jusqu'à certaines spécialités dans les déficits immunitaires primitifs jusqu'à 8. Donc ne pas prendre un seul débit, quelle que soit l'immunoglobuline retenue. Dans l'évolution, bien sûr, on est obligé de parler des excipients, puisque l'excipient peut être responsable de la tolérance de l'immunoglobuline. Parfois, c'est le débit qui va entraîner des mauvaises tolérances. Les excipients ont été également impliqués dedans. Donc, il y avait une étude qui avait rapporté des cas d'insuffisance rénale déclarée. Dans cette étude, en fait, l'immunoglobuline qui contenait le saccharose était la plus utilisée. Donc,
on avait traduit que celles qui contenaient du saccharose étaient pouvaient être responsables de cas d'insuffisance rénale. C'est valable pour aussi les immunoglobulines qui contiennent du glucose et du maltose. Donc, des recommandations ont été éditées pour des patients à risque, et notamment les facteurs de risque, l'insuffisance rénale préexistante, le diabète, l'hypovolémie, l'obésité, l'association avec des médicaments néphrotoxiques et le patient d'âge supérieur à 65 ans, on évitera de choisir ces immunoglobulines-là. Un autre excipient qui est apparu avec une des dernières immunoglobulines, c'est le sorbitol, qui contre-indique toute utilisation chez un patient qui serait intolérant au fructose et par là même chez les patients qui ont moins de 2 ans, puisqu'on ne sait pas diagnostiquer cette intolérance chez les enfants. Donc en pédiatrie, elle n'est pas utilisable. Enfin, pédiatrie inférieure à 2 ans. Juste une slide sur les étapes de sécurisation spécifiques, puisqu'il y a aussi les étapes contributives qui sont associées. Donc on voit que chaque immuno a son traitement qui lui est propre, en associant 2 à 3 étapes de sécurisation. Pour revenir sur les principales indications à la fois des IG IV et sous-cutanées, elles sont utilisées les deux dans, dans les traitements de substitution, donc dans tout ce qui est déficit immunitaire primitif, déficit immunitaire secondaire, notamment du myélome et de la LLC avec hypogammaglobulinémie et infections récurrentes. Dans les IV, on a également l'indication pour les infections bactériennes récidivant chez l'enfant atteint du VIH. Les traitements immunomodulateurs, quant à eux, sont aujourd'hui dans l'AMM encore réservés aux indications des immuno-IV. Donc on a toutes les immunos ont l'AMM pour le PTI, le Guillain-Barré et le Kawasaki. En revanche, seules certaines les ont pour la PIDC et la neuropathie motrice multifocale et la myasthénie. Si on respecte bien l'AMM, il ne faut pas les utiliser. Juste une particularité sur le GammaGuard. En 2011-2012, nous avons eu de gros soucis de tension d'approvisionnement en immunoglobuline. Beaucoup de prescriptions s'étaient reportées sur le GammaGuard. Il faut savoir que l'indication est précise et le GammaGuard doit être réservé aux patients qui présentent des anticorps anti-IgA, puisque c'est l'immunoglobuline qui a le moins d'IgA dans sa composition. Dans ce contexte de tension d'approvisionnement, le CEREDI, en parallèle avec Permedes, avait rédigé des propositions d'arbre décisionnel. Donc, qui sont toujours d'actualité, puisque le GammaGuard doit être réservé aux patients qui ont ces anticorps et qui ont présenté des antécédents d'effets indésirables majeurs, donc qui peuvent être à titre de choc anaphylactique. Sinon, on tentera de switcher l'immunoglobuline avec une autre IV. On peut toujours regarder le taux d'IgA présent dans les autres spécialités, puisqu'elles ne sont pas toutes au même niveau. Et puis, on ajustera en fonction de la présence ou non d'effets indésirables. Toujours cela en se faisant en milieu hospitalier. Juste ce tableau pour vous montrer qu'on a les principales indications dont je vous ai parlé dans l'AMM. Mais bien sûr, là, c'est issu du référentiel de bon usage qu'on doit remonter dans nos fiches comp. Les immunoglobulines IV notamment sont prescrites dans d'énormes indications, qu'elles soient hors AMM, qu'elles soient en RTU, anciennement en PTT, et puis parfois des situations qui peuvent être inacceptables également. Donc dans la situation de tension, comme on va le voir après, ça sera bien à avoir en tête dans quelle case votre indication pour votre patient se trouve. Pour rebondir, un tableau qui reprend les consommations des IG uniquement IV en France de 2012 à 2016. Et on voit bien qu'avec l'augmentation des traitements et des indications, on est dans un pourcentage d'augmentation chaque année de 10%. Donc ce n'est pas anodin et ça explique un petit peu les situations, un petit peu moins de 10% ce qu'on avait avant, mais ça explique aussi les situations d'approvisionnement qu'on connaît. Une des dates charnières dont je vous ai parlé, c'est 2005 avec la mise à disposition des IG sous-cutanés.
Donc, elles ont été mises en place pour une utilisation ambulatoire. On le reverra tout à l'heure avec le médecin et puis lors de la table ronde. Ça nécessite cependant une première, voire deux à trois premières perfusions en milieu hospitalier pour bien voir la tolérance, pour bien faire l'apprentissage du patient. Les indications, elles sont restreintes aujourd'hui au traitement de substitution. Le rythme d'administration va être variable. Avec les deux sous-cutes gamma-norm-isantra que l'on connaît, on va être à une perfusion par semaine, voire une tous les 10 jours dans ces indications. Tandis que la nouvelle immuno, l'IQVIA, qui est combinée à la hyaluronidase, va permettre, après la posologie progressive atteinte, d'arriver à une perfusion toutes les 3 à 4 semaines à domicile. Donc on revient sur ce rythme d'administration que le patient connaît en IV. Dans les tableaux de critères de choix entre les IG, IV et les sous-cutes, lors du switch que le médecin peut proposer à son patient, on va bien sûr regarder l'efficacité. Donc les sous-cutes vont permettre un niveau plasmatique stable. Au niveau de la tolérance, on aura beaucoup moins d'effets systémiques. Par contre, on aura plus de réactions locales. Et puis après, tous les avantages de l'administration à la maison. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du panorama des immunoglobulines sans aller voir le site de l'ANSM et voir la situation qu'on connaît actuellement. Donc ça, c'était une diapo, un tableau que j'ai pris lundi, je pense, sur le site de l'ANSM. Donc on voit bien une remise à disposition. Dans le petit carré, on voit quand même qu'il y a des tensions ponctuelles possibles au cadencement des approvisionnements. Donc aujourd'hui, on est tous dans la même situation, à savoir on est contingenté par les fournisseurs, par nos quotas qui ont été donnés, et on doit faire avec pour approvisionner nos patients. Dans les cas qu'on a déjà connus de tensions, puisque ça s'est déjà passé en 2011 et les années avant, et on a su les gérer, l'ANSM invite les professionnels à être vigilants sur une utilisation raisonnée. Le dernier point en 2013 avait abouti à des recommandations d'utilisation et de hiérarchisation. Aujourd'hui, les données datent de 2013. Dans le dernier mars, qui est paru le 21 décembre 2017, je ne sais pas si vous l'avez tous en tête, c'est un mars qui nous a été envoyé par les ARS, où on faisait le point sur la situation du laboratoire LFB et notamment des tensions qui sont apparues. On nous a dit que l'ANSM allait réfléchir à une hiérarchisation des indications des immunoglobulines. Donc on peut s'attendre sur l'année 2018 à revoir un nouveau tableau de hiérarchisation. Et comme on va voir avec le médecin et l'association des patients, comment est-ce qu'on peut faire et comment aussi on doit faire pour tous nos patients. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole au côté médecin.